Yo les gars, c'est Zeko, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve après un mois d'absence pour une petite vidéo FIFA 16, FIFA 17, excusez-moi. Voilà, on va présenter mes équipes pour Fut Champion. Donc si vous êtes content pour mon retour, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Dans la semaine, il y aura une petite vidéo voilà, pour vous dire pourquoi j'étais absent. Et on se retrouve directement avec la première équipe. Voilà, une petite équipe de Serie A, avec du très costaud derrière. Voilà, défensivement, c'est du lourd. Goulam Koulibaly. Manolas Abate, ça court vite, ça défend bien, voilà, c'est ce qu'on aime pour Fut Champion, avec un trio au milieu de terrain, Strootman, Khedira et Parolo, voilà, ces 3 MC de grande qualité technique et défensivement, voilà, moi j'aime bien ce style de joueur. À gauche, Stéphane El Shaarawy, les 5 étoiles de gestes techniques qui font plaisir. Le numéro 9, Mbanyang, l'attaquant cheat de ce début de FIFA, voilà, 55 matchs, 42 buts pour Mbanyang. Et à droite, le petit Juan Cuadrado, voilà, 32 matchs, 19 buts, avec les 5 étoiles. Voilà, cette équipe-là, vous pouvez à peu près pour l'avoir pour 30-40 000 crédits à peu près. Voilà, je trouve que pour Fut Champion, ça fait largement l'affaire. On se retrouve avec la deuxième équipe. Cette fois-ci, c'est une petite hybride avec notamment Karim Benzema en pointe. Voilà, avec du Kingsley Coman à côté et du Moussa Sissoko. Excusez-moi les amis. Voilà, Kingsley Coman, 74 matchs. Voilà, je promets détenteur, je l'ai paqué. Le premier jour du jeu, voilà, Moussa Sissoko aussi qui est très lourd. Le milieu de terrain, Renato Sanchez, Kanté et Pereira, ça court vite, c'est physique, ça défend bien, c'est technique, tout est parfait, voilà. À gauche, Bernat, c'est peut-être le point faible de l'équipe, voilà, mais je vais attendre d'avoir un peu de crédit pour acheter Alaba. Défenseur centraux, les deux, c'est Smalling, puis Eric Bailly, voilà, Bailly, 1m87, 80 de vitesse, 83 de physique, c'est un monstre. Et Kyle Walker qui court vite et qui défend bien et qui est physique sur le côté. Jack Butland, voilà, je l'ai pris pour le collectif. Mais il me sort des très gros matchs. Voilà, faut dire ce qui est. Il est très très fort. Donc voilà les amis, si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez plus de vidéos, voilà. Par exemple, deux ou trois vidéos par semaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert et un commentaire. C'était Zeko pour le retour. Bye tout le monde!